Brigitte Bardot, cloîtrée chez elle, à 88 ans. Révélation sur sa vie, retirée du monde. Alors que la star Brigitte Bardot va être prochainement comptée au sein d'une série biopique à venir sur France 2, l'écrivain et journaliste Henri-Jean Servat nous raconte dans le dernier numéro de Gala paru ce jeudi 4 mai la vie coupée du reste du monde de Brigitte Bardot, la vraie. Alors que les projecteurs seront bientôt tournés à nous. Où elle n'a pas mis les pieds depuis plus de 30 ans sur le port et dans le centre-ville. Sans nostalgie pour son passé de comédienne, la comédienne qui a pu compter sur le soutien d'une icône féministe dans sa vie ne rejoue pas le coup de boulevard du crépuscule, cadre de clichés jaunis, télévision laissant défiler en boucle des images de ses films, nous dévoile Henri-Jean Servat. La mode, comme la vie médiatique, la mère de Nicolas Charrier semble avoir tiré un trait dessus. Tous les jours de sa vie, Brigitte part au bureau et se vêt de noir. Jupe longue ou legging. J'ai renoncé à la mode. Je ne m'habille plus, nous confie son amie. Elle n'a d'ailleurs plus rien dans ses placards et ne veut plus rien avoir. Chacun sait qu'elle a vendu ses robes et ses tenues de mode au profit de sa fondation, il y a belle lurette. Brigitte Bardot. Une paix retrouvée loin de tous? De là, faut-il en conclure que Brigitte Bardot est malheureuse? Absolument pas. Son bonheur, elle le trouve au sein de son autre domaine, la garrigue, où, entourée de tous les animaux qu'elle a pu sauver, elle travaille à l'ancienne. Il est ni grec à pas d'ordinateur, pas d'appareil électronique ni même de machine à écrire. Elle écrit tout à la main, toujours de sa magnifique écriture ronde, à l'encre bleu azur. C'est donc loin de tout emballement médiatique que Brigitte Bardot a décidé d'écrire son bonheur et sa paix retrouvée. Brigitte Bardot racontée par Henri-Jean Servat, un récit à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 4 mai ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement.